Trois mots en patois. Je viens d'avoir la réponse à la question que je venais de vous poser. Trois mots en patois. Il paraît que c'est pas une grande différence. Hein. Vous étiez vraiment au coude à coude tous. Et 4%. Bonjour. Alors, qui va m'apprendre trois mots en patois? Et surtout, qui va m'écraser? Bonjour. Vous parlez le patois? Bonjour. Vous parlez le patois? Oui. C'est vrai? Oui. Vous pouvez arrêter votre moteur? Vous pouvez sortir? Oui, bien venez sûr. Me voir. D'abord, j'ai une question. Dites-moi. Le patois, c'est les ch'tis? Oui. Ah, c'est le patois des ch'tis? C'est ça. On parle ch'ti? On parle ch'timi, bon. Oui. Ch'timi, voilà. Alors, j'ai une question dure. Vous êtes en direct sur France 5? D'accord, enchanté. Je ne dérange pas? Non. Bon, enfin, France5.fr maintenant. Petite question. Il faut que j'apprenne trois mots en patois. D'accord. Mais vous êtes sympa avec moi, vous n'allez pas me dire des gros mots. Non, bah, biloute, c'est pas un gros mot? Non, ah oui, bah, je connaissais, biloute. Bon, bah voilà. Ah bah c'est bien. Après, une cayenne, c'est une chaise? Ah, une cayenne, c'est une chaise. Oh, c'est facile, je crois que vous êtes super voilà. Libre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Assiteux, assieds-toi. Assiteux, d'accord. Assiteux. Alors, assiteux, cayenne, biloute. Voilà, trois. Ça fait trois mots. Et biloute, ça veut dire quoi? Je l'ai vu dans le film Les Ch'tis, évidemment. Biloute, c'est copain, voilà, c'est affectif, c'est ouais. Petite louloute, c'est affectif. Ah, c'est pour les filles, ça, normalement? Bon, plus pour les garçons. Ah, c'est pour les garçons, entre garçons ou... Ouais, mais on dit un peu ça à tout le monde. Ça va, biloute. Ouais, biloute, d'accord. Voilà. Enfin, ça va, copain. Chava, biloute. Chava, ah, biloute. C'est ça. Chava, biloute. Assente, Kayel. Assente, Prankayel. Assente, Prankayel.